Salutations, salam à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, moi ça va, alhamdoulilah, la louange est à Dieu, Seigneur Tout-Puissant, en ce mois béni du mois de Ramadan pour les musulmans, et mois de carême aussi pour nos compatriotes de confession chrétienne, et bah, pour tous ceux qui sont en pleine fête, dans un élan de spiritualité, vous avez compris. Donc ce soir, j'ai avec moi... pour ce débrief du débat qu'on a eu mardi entre Maximus et Walter Boujna, que je salue d'ailleurs au passage, avec moi Kentra, mon 100% goy, le charpentier du navire RPTV. Comment est-ce que tu vas, mon frérot? Salutations à tous, salut Zied, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une très bonne soirée. Merci à toi d'être là, Kentra. Malik nous rejoindra tout à l'heure. On a avec nous Lou Divergent qui a animé le chat et que je remercie, d'avoir partagé cette émission. Ça nous a ramené un maximum de personnes et d'abonnés aussi en ces temps de shadow bannery par YouTube. Donc, ça fait du bien. Loudi, comment est-ce que tu vas, camarade? Il faut que tu remettes ton... ça va. Désolé, j'ai un problème de son. J'arrive pas à faire un réglage de son. Je vous entends en double, en fait. Ah, mince. Comment tu vas? Ah bah écoute, apparemment le son chez lui... Ça va. Ok, super. Il y a un petit décalage du coup, hein. Si tu peux régler ça, ce serait top. Et ouais, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Yes, super, merci à toi. Et les amis, celui qui a battu le fer mardi, le combattant, le gladiateur, Maximus le Renaissant. Maximus, comment vas-tu, camarade? Salutations Zied, merci pour ce petit retour de direct. Et salutations à Kentra que je connais évidemment, mais avec lequel je n'ai jamais pu converser. Et puis Lou évidemment, qui est mon complice chaque mardi, quoi, que je connais évidemment très bien. Et salutations aux camarades du chat. Merci à vous d'être là, les amis. Merci Maximus. Il faut savoir, Maximus, je le considère comme un grand frère, hein, grand frère de lutte. Il faut le savoir. Alors, je salue tous les gens du chat. Vous êtes beaucoup ce soir. Je ne vais pas tous vous citer. Je salue, comme d'habitude, nos modératrices, entre elles et Utopiste Atypique. Hein, pour les nouveaux qui ne les connaissent pas, sachez qu'elles sont d'une extrême sévérité. Donc, veuillez bien lire le règlement. Et donc voilà. Et Sahaturkum, bon appétit à tous ceux qui ont rompu le jeûne et à ceux qui jeûnent aussi parmi la communauté chrétienne. Donc, bon appétit. Régalez-vous. Mais allez-y, mollo sur la bouffe. Vous savez très bien que plus on bouffe de la merde, à l'intérieur, c'est n'importe nawak. Donc voilà, on va commencer. Donc, c'est un débrief du direct qui s'est passé mardi entre Maximus et Walter Boujna, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pourquoi je le fais? Parce qu'à la base, je voulais réagir par une vidéo, parce qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, il y a eu beaucoup de retours assez, je ne veux pas dire négatifs, on s'en fiche, c'est négatif, mais qui étaient assez, on va dire, les gens n'ont pas compris. Voilà, les gens n'ont pas compris. Et du coup, j'ai proposé à Maximus, au lieu de, comment dire, que j'en parle moi-même dans une vidéo et de passer à autre chose, de faire un direct, d'en parler directement, de donner la parole à Maximus, puisque de son côté, Walter fait aussi sa communication. Donc ça, il n'y a pas de problème, voilà. Et Maximus, à côté, comme je le connais, que c'est un camarade et comme je dis, c'est un grand frère, eh bien, il est avec moi ce soir. Il y a Loudi qui était dans le chat, qui va nous donner son avis en tant que spectateur. Et Kentra, c'est un de mes chroniqueurs, avec Malik qui va nous rejoindre tout à l'heure. Je vais commencer par toi, Loudi, parce que je sais que tu dois nous quitter. Tu es sur un autre direct, tu étais en train de faire une autre émission. Donc, je vais prendre ton avis, toi, en tant que spectateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce débat? Qu'est-ce que tu en as retenu? Et qu'est-ce qui t'a fait chier? Bon. Attends, ça a l'air de... Là, on t'entend, c'est bon. Ok. Alors, je ne sais pas si encore le retour de l'autre côté. Bon, on verra ça après. Comme je te disais, j'avais un problème technique. Ah bah si, je m'entends encore. Oh putain, c'est chiant. Bah attends, bah commence peut-être par Maximus, parce que moi, j'ai toujours ce problème de son. Là, ok, ça marche. Alors, avant de commencer par... Excusez-moi, je mange à côté. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas du tout l'habitude de faire ça et je n'aime pas ça. Ce n'est pas du tout professionnel, mais... Pas le choix, sinon je vais bouffer à 23h et m'endormir avec entre ballonnés. Voilà. Juste avant de commencer, avant de donner la parole à Maximus ou à Lou s'il a réglé son problème d'ici là, il faut savoir une chose, c'est que les règles du débat, pour moi, à mon sens, c'est la vidéo que je voulais faire, la vidéo explicative, là où certains voient qu'un débat, c'est forcément du clash,
de l'embrouille, de l'insulte, de la menace. Ce n'est pas du tout ça que vous allez voir, que vous allez voir, que vous verrez sur RPTV. Pour moi, un débat, c'est des personnes qui sont sensées, c'est des personnes qui ont des arguments, qu'ils soient bons ou mauvais. Voilà. Mais un débat, pour moi, doit bien se passer. Les deux personnes doivent se respecter. On peut se taquiner, on peut rigoler, on peut ceci, mettre beaucoup d'humour. Moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup d'humour pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Donc voilà, moi, pour moi, ce que c'est qu'un débat. Il n'y a pas d'hystérie, y a pas... sinon, ce n'est pas un débat. Sinon, c'est de la bagarre. Et si c'est de la bagarre, bah, autant se donner rendez-vous et faire ce qu'il y a à faire, tout simplement. Donc voilà, Maximus, bah, je vais prendre ton avis. Fais-nous un retour sur, justement, parce que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la manière dont tu as abordé ce débat, alors que moi, je l'avais parfaitement compris, te connaissant. Et pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas, justement, comment tu opères dans ce cas de figure, bah, explique-nous ce soir, comme ça, c'est clair pour tout le monde. Alors, bonsoir à tout le monde. Je crois qu'effectivement, il y a certaines petites explications qui méritent d'être données. Donc, vous savez que nous sommes dans un contexte où la répression est extrêmement dure. Nous ne sommes pas déjà n'importe qui. Tout le monde a sa petite fiche signalétique. Certains un petit peu avec des éléments beaucoup plus à charge que d'autres. Je vous rappelle que moi, je fais des manifestations. Je suis présent sur YouTube. Bref, j'ai une activité, on va dire, d'activiste, de militant. Donc, je suis une tête de gondole. Et que la personne avec qui j'ai débattu hier, je connaissais évidemment son état d'esprit et sa réputation d'homme de mauvaise foi. Je pense que ceux qui jouent aux échecs vont peut-être comprendre ma psychologie, pourquoi il fallait que le débat soit réglé sur une intensité entre guillemets qui paraissait être plus soft. C'est plus intelligent parfois de brosser un caillou avec une brosse douce qu'avec une brosse dure. Essayez de vous mettre dans un contexte où la parole n'est pas libre. Il y a le pendant le direct et il y a le après le direct. Or, vous savez que Internet est un espace public et vous savez que nous sommes entendus par les grandes oreilles et que tout le monde nous écoute. Il y a des propos qui peuvent être utilisés à charge contre vous. D'autant plus que si vous dites la vérité, c'est encore plus à charge. N'oubliez jamais ceci. Le système est particulièrement malhonnête. Il faut le savoir. Nous avons eu effectivement une démonstration d'extrême malhonnêteté dans ce débat. Il était donc inutile de chercher à convaincre. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est un tigre qui débat avec un âne. Et le tigre dit à l'âne, tu vois bien que l'herbe est verte. Et l'âne dit, l'herbe est bleue. Mais le tigre s'énerve et il dit, mais non, l'herbe est verte. Et l'âne insiste et dit, non, l'herbe est bleue. Ensuite, le tigre se propose à l'âne d'aller voir le roi, qui est le lion, pour trancher la question. Et donc, voilà nos deux compères qui se rendent devant le lion. Et le tigre dit au roi, « Sire, j'ai une requête à vous demander. »« Très bien, explique-moi, tigre, quel est ton problème ?» Voilà que je discute avec l'âne et je lui explique que l'herbe est verte, mais celui-ci me dit que l'herbe est bleue. Je demande donc que vous le sanctionnez, s'il vous plaît, majesté. Et le roi se tourne vers l'âne et lui dit, « Dis-moi, l'âne, de quelle couleur est l'herbe ?» Et l'âne répond, « L'herbe est bleue. » Et le tigre dit, vous voyez, sire, il insiste, il dit que l'herbe est bleue. Le roi dit, très bien, l'âne, tu peux disposer. En l'occurrence, tigre, c'est toi qui vas être puni. Et là, alors là, le tigre ne comprend pas, il dit, mais pourquoi, sire, qu'ai-je fait? Je n'ai fait que dire la vérité. Mais, tigre, tu es un animal intelligent, tu es un animal noble, tu es un animal puissant. Pourquoi t'abaisses-tu au niveau de l'âne pour lui expliquer que l'herbe est verte alors qu'il s'obstine dans la mauvaise foi? Eh bien, c'est très exactement ce qui s'est passé dans ce direct. Nous avions beau dire que l'herbe était verte, l'âne nous disait que l'herbe était bleue. Et fallait-il insister davantage? Ça n'en valait absolument pas la peine. Pour la simple et bonne raison que nous savons qui est, monsieur Walter Bougenat, mais nous ne savons pas qui est derrière lui.
Qui est derrière cet homme? C'est ça la question. Parce que quand vous êtes dans l'espace public, vous êtes une cible. Moi, je me rends en manifestation, je me rends un petit peu partout. Je crois qu'il faut rappeler que nous sommes dans un contexte où Joanne Livernette a fait de la prison, Hervé Ryssen a fait de la prison, Vincent Renoir est en cavale et on essaie de le rapatrier. On a assassiné Claire Sévrac. La mort de Monsieur Radère, Serge Radère, est suspecte. Bref, Patrick Donte. nous so pas il y a TEPA, il y a aussi l'affaire Bourrache. Vous voyez dans quel contexte nous nous trouvons. Donc, pourquoi insister auprès de l'âne pour essayer de le convaincre que l'herbe est verte? Donc, moi, j'ai opté pour laisser parler l'âne. Alors, certains vont dire qu'il fallait le plier. Non! L'homme s'est scié la branche tout seul. Parce que tout le monde a vu. Tout le monde a compris. Tout le monde savait. Vous avez bien vu que si vous réécoutez le direct, c'est lui qui parle plus que moi. Et c'est très, très bien. C'est lui qui essaye de convaincre que vous avez compris, vous avez écouté ses propos, parce que je fais même attention à mes propos, parce que on n'est pas, on ne joue pas à armes égales. Si vous avez une paire de gants de boxe, est-ce que vous allez affronter quelqu'un qui a une Kalachnikov et une armée avec lui? Bien sûr que non. Donc, eh oui, on peut aussi parler de Stéphane Blais. Nous savons que nous avons affaire à des gens de mauvaise foi qui pratiquent le œil pour œil, le dent pour dent. Vous le savez très bien. Donc moi, personnellement, je suis désolé, mais mon intégrité m'intéresse aussi quand même. Hein, d'accord? Donc je pense qu'il faut à un moment donné, comme un peu pour ceux qui jouent aux échecs, vous savez parfaitement que parfois il faut savoir sacrifier la reine et donner l'illusion que vous perdez la partie pour pouvoir mettre mat après. Et le mat, qu'est-ce que c'est que l'échec et mat? C'est l'après-live, c'est pas le pendant le live. Et il faut savoir dissocier les choses. Il y a le pendant le live et il y a l'après le live. Donc, je pense que l'après-live va lui faire beaucoup plus de tort que le pendant le live. Voilà pourquoi il ne faut pas s'enfler d'orgueil, savoir accepter par moment de poser un genou à terre pour feindre une apparente défaite, pour simplement après mieux expliquer et exposer les choses. Les arguments ne manquaient pas pour l'exploser en vol. Et c'est parce que les arguments ne manquaient pas et parce que vous les connaissez qu'il était absolument inutile de rappeler tout cela. Voyez? Donc, ne nous enflons pas d'orgueil, restons humbles. Nous sommes humains, nous avons nos limites, et à un moment donné, nous rendrons des comptes, évidemment, à notre Créateur. Et laissons les énergumènes s'exciter dans la mauvaise foi, et n'insistons pas, ce n'est pas la peine de les suivre dans les ténèbres. Nous avons suffisamment à faire pour rétablir la lumière. Voilà. Merci à toi, Maximus. Merci à toi, Maximus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je répondrai après, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'adressent à moi directement sur le chat. Je vous répondrai après. Mais d'abord, je vais prendre l'avis de. Alors, juste avant de nous dire, il faut savoir une chose, c'est que Maximus est un joueur d'échecs. Un Ouais, joueur je d'échecs. sais, je le connais très bien. Je le Voilà. connais très très bien. Je suis au Et les courant. joueurs d'échecs, les amis, il faut savoir une chose, c'est qu'ils vont jamais avancer leur pion tant que toi, t'as pas avancé le tien. Et quand tu avances le tien, il sait où le sien doit avancer aussi. Je Réfléchissez à suis ça. un joueur, je suis un joueur d'échecs aussi, Voilà. Zied. Alors moi, je joue pas aux échecs. Moi, par contre, j'ai eu beaucoup d'échecs. Je rigole. C'est autre J'en ai eu chose. aussi, j'en ai eu aussi. Alors, on en a tous ici. C'est ça qui nous forge justement. Ludy, justement, bah parfait. T'as réglé ton problème de son, c'est nickel. Maintenant, je vais prendre ton avis. Après, je prendrai celui de Kentra. Toi, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce débat? Et encore une fois, il faut préciser une chose. C'est que ce qu'on est en train de faire, c'est absolument pas contre Walter. Contre qui je n'ai rien du tout. Faut le savoir. On est juste en train de débriefer. Maximus a donné son avis. Ludy va nous le donner. Et Walter, encore une fois, comme je l'ai rappelé, le fait de son côté sur ses réseaux. Voilà. Il a fait un débrief de l'émission, que son ressenti sur l'émission que lui a faite, etc., etc. Nous, on le fait de notre côté, sans lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Voilà. C'est les arguments de chacun, c'est les règles du débat, c'est comme ça. Voilà. Donc, Lou, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce débat, justement?
Alors, Walter Bougenage, je le connais pas personnellement, mais je connais bien sa manière de débattre parce que je l'ai déjà suivi sur, dans plein de débats, je l'ai déjà suivi sur différentes chaînes. Donc, je sais très bien comment fonctionne le mec et cette manière qu'il a de retourner les choses. Bon, ça, on en parlera après. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, déjà, dans l'après-midi, mardi après-midi, pendant l'émission avec Maximus, quand j'ai appris qu'il allait débattre avec Walter Bougenage, le premier truc que je lui ai dit, vraiment, le premier truc, c'est ça ne sert à rien de discuter avec ce mec, en fait. Ça sert strictement à rien parce que le gars retourne tous les arguments. Le gars, tu lui demandes de répondre à une question, il te dit bon, ben, je vais répondre d'abord à la question que tu as posée avant, sauf qu'il se refait une question à lui-même et puis il s'apporte la réponse à cette question. La grande technique du mec, c'est de partir sur un postulat qui est déjà biaisé à la base. C'est par exemple quand il t'explique le fait que un foyer sioniste se soit installé en Israël, ça n'a rien de religieux. Et pourtant, si, ça a tout de religieux, ne serait-ce que le choix de la terre, c'est déjà clairement religieux. Et quand on regarde le drapeau d'Israël, on a l'étoile de David au milieu, l'étoile de David qui est religieuse, et en haut, on a une bande bleue qui représente le Nil, et en bas, une bande bleue qui représente l'Euphrate. Et ça veut dire, ça donne les frontières du grand Israël. Et aujourd'hui, Israël, on sait que c'est un pays qui est en expansion, qui est en pleine colonisation tout le temps, et qui cherche à étendre ses frontières. Donc, il y a bien un projet qui est clairement en rapport avec la Torah, l'Ancien Testament, où ce sont les frontières qui sont définies dans l'Ancien Testament qui veulent être aujourd'hui établies par l'Israël actuel. Et ça, donc, ça a tout de religieux. Et donc, quand on part sur un postulat comme ça, directement en disant « ça n'a rien de religieux », alors qu'en fait, ça a tout de religieux, eh bien, tu peux pas débattre sur des bases telles que celles-ci. C'est-à-dire que dès le début, il essaye de tuer le débat dans l'œuf directement. Ensuite, c'est un mec qui a une tendance systématiquement à faire ce genre de trucs. J'ai bien aimé que, en plus, on s'est pas parlé avant avec Maximus. C'est marrant qu'il a pris l'exemple sur l'herbe verte, parce que moi, c'est sur, par exemple, c'est sur les couleurs, pareil, que j'avais pensé à cette explication. Walter Bougenage, c'est un mec qui va te montrer un truc bleu. Et il va te dire « ceci est rouge ». Et tu sais, tout le monde le voit bleu. Et non, il va te dire « vous le voyez tous bleu parce que vous êtes des anti-bleuistes ». Et c'est pour ça que vous voyez ce truc bleu. Mais en vérité, ce truc est rouge. Voilà. Et puis, il va démarrer son développement à partir de ce truc-là. Donc, tu peux pas débattre avec ce mec. Et donc, j'avais dit à Maximus dans l'après-midi, de toute façon, moi, je vais le prendre du côté comique. Je vais le prendre du côté marrant parce qu'en fait, ce mec, vraiment Walter Bougenage, je pense, a un potentiel comique incroyable. Plutôt que d'être en politique, il ferait mieux de se mettre à faire des one-man shows, des spectacles comiques. Je pense qu'il aurait une bien meilleure carrière, bien plus de réussite. Et donc, voilà, ce mec fonctionne comme ça et il s'est passé exactement ce que j'avais dit. En fait, c'est que j'avais dit, tu verras qu'à un moment, il te reprochera de ne pas te montrer. De pas montrer ta tête. Bon, alors que le visage de Maximus, on le trouve facilement sur Internet. Hein. Il a déjà intervenu dans plusieurs émissions. On l'a vu dans des vidéos, sur des trucs, des chaînes d'information, tout ça. Il est déjà passé, il est déjà placé plein de fois. Contrairement au mien, le visage de Maximus, on le trouve très facilement sur Internet. Donc, dire cet argument, je savais qu'il allait venir. C'est difficile de débattre avec quelqu'un qu'on ne voit pas. Bon, quand on voyait Walter Bougenage avec son éclairage rouge, on aurait pu se passer de l'image aussi, je veux dire, ça aurait fonctionné sans l'image. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce qu'il y ait l'image de toute façon dans ce débat. Et donc, ce que j'ai vu, c'est que les gens ont pris ça avec beaucoup d'humour. En tout cas, les gens qui sont venus de chez moi l'ont pris avec beaucoup d'humour. Il fallait pas faire autrement, parce qu'en fait, si on écoutait réellement les arguments du mec, ça amène à l'énervement, ça amène à l'agacement, parce que comme je dis, le gars part directement sur des postulats qui sont faux. Donc ça, c'était ça sur ça. Il fallait le prendre avec l'humour. Et ensuite, non, ça ne sert à rien de débattre avec ces gens-là. Tu peux, quand tu débats avec quelqu'un, il faut qu'il y ait de l'honnêteté intellectuelle. Quand Maximus lui a parlé du Talmud, directement, il élude quoi. C'est non, mais le Talmud, on s'en fout. Tu t'en fous. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a bien des gens qui sont attachés au Talmud et des gens qui n'y sont pas attachés. Donc, ça crée quand même une sévère différence, cette histoire de Talmud. Donc voilà, c'était pour moi, ce débat ne servait à rien à part à se marrer. Et puis mission accomplie, parce qu'on s'est quand même bien marré. Et je t'avoue, Zied, qu'à un moment, tu m'as bien fait rigoler aussi. C'est quand t'as dit, s'il y en a un seul qui fait des menaces de mort chez moi, on va chez lui, on le découpe. Là, tu m'as tué. Non, parce que en fait, le truc, je parle avec des gens
qu'on peut connaître. Tu vois, moi j'ai horreur des gens qui se cachent derrière un clavier. Tu vois, c'est. T'as vu les, on va dire les, comment ça s'appelle? Non, mais Nos c'était sans le concept, pas de menace de mort où on vous tue, en fait, quoi. Non, mais écoute, moi, quand je pète les plombs, je ne sais plus où je suis en réalité, tu vois. C'est mon grand problème. Non, mais voilà, c'était juste pour calmer les gens et puis c'est tout. Mais c'est vrai que, parce que tu sais très bien, Lou et Maximus et Kentra, on le sait, hein, sur Internet, il y a des fous furieux, tu es obligé de calmer tout le monde Ouais, je sais, je avant que sais. ça démarre. Et après, voilà, bon, moi, j'ai un côté un peu excessif des fois, tu vois, c'est vrai que. Et je supporte pas qu'on menace les gens, machin, nanana, tu vois. J'aime pas ça. Surtout que voilà, Maximus comme Walter, ça reste quand même des anciens, c'est nos grands, comme on dit, tu vois, au Tiekar, au quartier. Donc voilà, que les gens restent tranquilles. Alors, juste pour répondre par rapport à. Merci à toi, Lou, pour cet argumentaire. Ben. Juste pour répondre, et après donner la parole à Kentra, moi, pourquoi est-ce que j'ai organisé ce débat? Parce que pendant l'émission qu'on a faite avec Boujna, avec Walter, pardon, il avait remarqué, enfin il avait omis que c'était dommage que Maximus ne soit pas là. Puis ensuite Maximus m'a envoyé un message, m'a dit Zied, ça aurait été intéressant que je sois là. Je dis bah, écoute, est-ce que tu veux qu'on organise un débat? Les deux m'ont dit ok, donc j'ai organisé ça, voilà. C'est-à-dire que l'un comme l'autre était d'accord. C'est pas moi qui ai eu cette idée de me dire tiens, je vais faire un débat. C'est parti de, on va dire de l'envie de l'un comme l'autre de se confronter. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai organisé ça, on s'est mis d'accord, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, deuxième chose, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit que si Maximus n'a pas, on va dire, n'a pas fait plaisir à tout le monde, hein, ce que je trouve ridicule, c'est parce que c'est moi qui ai mis la pression. Mais de quoi tu parles, mon ami? Quelle pression je mets, c'est ça va. Au contraire, bien au contraire, j'avais une petite pression de me retrouver. Bah, à gérer, on va dire deux personnes qui sont plus âgées que moi. Je veux dire, moi, j'ai été éduqué dans le respect, machin et tout. Je me voyais pas, par exemple, dire à des gens, non, non, s'il vous plaît, taisez-vous, machin. Ça aurait été plutôt le contraire. Mais voilà. Il n'y a pas de ça chez moi. Il n'y a pas de pression. Il n'y a rien du tout, etc., etc. Il n'y a pas de tout ça. Faut se retirer ça de la tête. J'ai mis la pression à personne. Malheureusement, Walter, quand il prenait la parole, c'est vrai qu'il monopolisait beaucoup la parole, qu'il y avait beaucoup d'émotions dans ce qu'il disait, etc. Pas beaucoup de, on va dire, d'arguments historiques ou quoi que ce soit. Après, c'est son style à lui que je respecte. Voilà, tout simplement. Après, on peut ne pas être d'accord avec la personne, mais les insultes, les machins et tout, avec moi, c'est hors de question. Voilà, je voulais clôturer sur ça. Malik, ça va avec vous, frérot, comment tu vas? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله et toi صح فطورك صح فطوركم Merci, frérot. Tiens, à la tienne, tu vois, avec Trunk, on est avec Trunk ce soir, mon gars. Mirai l'un des meilleurs Voilà, Mirai personnages Trunk. Alors, Malik, hein. je te fais patienter un peu. Je prends l'avis de Kentra sur ce débat et après, Vas-y. avec toi, on reviendra sur justement les éléments par rapport à la Bah, Palestine. moi je te Ah remercie, oui. Ziad. C'est vraiment pas Ouais. que j'ai pas envie de Juste vous ça, c'est ce que écouter, j'allais mais en dire, fait j'ai Lou. une libre antenne de l'autre côté et faut que j'y aille là. Il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être passé, Lou, et merci d'avoir partagé le lien. Ça fait plaisir, ça a ramené du monde comme ce soir. Et Bah, merci de on se ton fait une émission. invitation. Il n'y a pas de galère, on se fait une émission quand tu veux, je verrai avec Maximus. Ça marche, pas de souci. Bonne soirée à vous, ciao. Yes, prends soin de toi, Ouais. ciao. Aussi. Du coup, Kentra, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ce débat? Bon déjà, bonsoir Malik, j'espère que tu vas bien. Oui, alors moi j'ai pas regardé en entier, hein, je suis honnête, mais je suis passé effectivement à un moment, c'était le moment où ça parlait de Mélenchon. Et d'ailleurs j'avais rectifié parce qu'à un moment Walter avait dit que Mélenchon était français, mais Mélenchon c'est espagnol, hein, l'origine du nom. Enfin en tout cas il parlait de l'origine du nom, et l'origine du nom est espagnole. Mais oui, donc moi je vais pas parler de l'intérieur du débat, je vais pas parler de la partie sanguinaire. Comme un steak, hein, la partie extérieure et la partie intérieure. Je sais pas si vous le mangez saignant, vous, votre steak, mais bon. Déjà, faut qu'il soit halal après, saignant ou Oui, pas. effectivement, oui, c'est vrai. Là, ça, c'est une option, tu vois. Exactement. Donc, ouais, moi, je vais m'attarder sur l'aspect extérieur. Je dirais même la carrosserie du débat. Et du peu que j'ai vu, j'ai constaté, excuse-moi, quand même, un certain respect, comme tu le disais. Un respect de l'adversaire, que ce soit du côté de Maximus ou de Walter. Même si par moment, faut reconnaître que c'était déséquilibré d'un côté, peut-être involontairement, par manque de niveau, par légère arrogance ou de la malhonnêteté, qui penchait plutôt du côté de Walter. Mais dans l'ensemble, c'était quand même martial.
Et comme tu le dis, Zied, le but d'un débat, c'est en réalité une discussion. Une discussion qui doit mener à réflexion, qui doit mener à se poser des questions. Pour ou contre, qu'importe. C'est ce que toutes les émissions de télé devraient apporter dans les débats. De la discussion ouverte et martiale. Parce que le noble art qu'est le débat et le verbal, c'est rare de nos jours d'avoir des vraies discussions. Avec, comme tu le dis, pas d'insultes, avec un certain niveau. C'est rare quand même, c'est pas chez Pascal Pro qu'on voit ça. C'est pas chez Hanouna sur BTP. Non. C'est sur Radio Principe. Et ça, il faut le conserver. Ah oui, c'est une émission qui est faite sous le sponsorisée par Triste Mendes France. Hein. Ah, mais bien sûr. Donc, ouais, il faut vraiment le conserver, cet aspect-là. Alors, même s'il y a eu certaines contradictions, il y a eu convergence, il y a eu du pour, il y a eu du contre, le tout, c'est quand même de respecter l'adversaire, c'est de respecter la personne avant, pendant et après le débat. Parce que moi, par exemple, notre cher Walter m'a plus ou moins injurié sur Twitter, mais c'est pas pour autant que je vais déverser ma haine alors qu'il est pas là sur le live, tu vois. Ce serait vraiment bas. Moi, je lui ai fait un tweet en retour au tweet qu'il m'a fait et c'est tout. Je vais pas m'amuser à faire du truc, surtout quand il est pas là. Moi, je suis vraiment moi, je fais du sport de combat, donc quand je rentre dans le combat, c'est vraiment face à la personne. C'est pas dans le dos, c'est pas, tu vois, c'est pas sans les gants, c'est non. C'est sur le ring, 2 minutes de round, et puis voilà. C'est vraiment important. Et ce qui est plus important, c'est la liberté d'expression, qui, je pense, règne ici, qui est primordiale. Ouais. Et Maximus a compris cela. Zied a compris cela. Malik a compris cela. Et sur Radio Principe, on a compris cela. Et je dirais même, c'est même pas la liberté d'expression, je dirais que c'est plus la vérité et la rationalité. Moi, je me bats pas pour la liberté, mais pour la vérité, peu importe le point de vue par laquelle elle est amenée. Moi, je me battrai jamais pour le faux, je me battrai jamais pour le mensonge, je me battrai jamais pour la dissimulation verbale et expressive. Tu vois, c'est important. Il faut que ce soit toujours la vérité qui règne, peu importe effectivement le paradigme, la lunette avec laquelle on la porte. Est-ce que Walter l'a compris ? Aucune idée. Moi, je me permettrai pas de le juger alors qu'il est pas là, voilà. Mais de mon côté, effectivement, dans ce débat-là, du peu que j'ai vu plus de rationalité et d'expression chez Maximus que Walter. Je m'arrêterai là. Merci à toi, Kentra. Alors, Maximus, est-ce que tu veux répondre à ça ? Et après, Malik, je te laisserai nous donner ton avis sur revenir sur de quand même, faut le dire, de grossières erreurs liées à l'histoire de la Palestine et voire même de l'islam. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qui m'a gêné dans l'introduction de ce direct. C'est déjà, il a commencé à déverser du venin sur Pierre Hillard sans connaître l'homme, sans avoir lu ses livres. Donc je dis, ça démarre mal, parce qu'en termes d'objectivité, ça va être compliqué. Ensuite, quand je lui ai parlé de Ben Gourion, il a dit, on s'en fout de Ben Gourion. Alors que Ben Gourion, c'est un des fondateurs de l'État d'Israël, et quand je lui ai lu quelques passages du Talmud, il a dit qu'on se foutait aussi du Talmud. Donc, comment voulez-vous qu'on puisse avoir un débat sérieux si, par exemple, quand on appelle le mécanicien et qu'on lui dit qu'on a un problème de moteur, et le mécanicien dit « on s'en fout du moteur ». Comment voulez-vous faire le débat un débat propre et correct ? Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? On dit « le plus intelligent va donc céder » et laisser l'âne s'exprimer et brailler que l'herbe est bleue. C'est très exactement ce que j'ai fait. J'avais vraiment pas. Déjà, il faut reconnaître que j'avais envie juste de lui répondre sur une question. Parce qu'il m'a jugé sur un tout petit extrait qu'on lui a envoyé, sur lequel il m'avait jugé antisémite. Comme toujours. Hein, dès qu'on dit 2-3 vérités, on est antisémite. Ça, c'est fatigant au bout d'un moment. J'avais besoin de lui rappeler que, en fait, c'était pas la communauté susmentionnée dont je parlais. Je parlais du forum de Davos, de Klaus Schwab, de Yuval Harari, de Soros, etc., etc., de tous ces oligarques. Donc, ça veut dire que le type, il part avec une idée préconçue négative sans savoir de quoi on parlait au préalable. C'est quand même assez incroyable de porter des jugements et de venir avec des diatribes quand on ne sait même pas à qui on a affaire
et de quoi la personne parlait. J'ai trouvé ça absolument dantesque et fantastique. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas la peine de débattre avec lui parce que je connais des gens très valeureux qui ont refusé de débattre avec lui. Mais moi, j'avais juste envie de lui répondre. Et quand j'ai vu effectivement la tournure que prenait ce direct, très honnêtement, comme je dis, je pose un genou à terre et je le laisse dérouler parce que je me suis dit pourquoi tirer un coup de revolver quand la personne est en train de se mettre des coups de couteau partout? Ça sert strictement à rien. C'est lui qui était en train de se saborder tout seul. Et tout le monde a compris. Donc, à quoi ça sert d'en rajouter? Ça servait à rien. Donc, il fallait le laisser dérouler. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai laissé parler, raconter ce qu'il avait à raconter. Je n'ai même pas cherché à le reprendre, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas cherché à le reprendre. Je n'ai pas cherché à le reprendre parce qu'on serait rentré dans une polémique. Et avec lui, les polémiques, ça sert en fait à envenimer le débat. Et moi, je ne voulais pas envenimer le débat. Je voulais que le débat reste d'assez bonne tenue, quand même. Bon, je l'avais fait aussi parce qu'on s'était mis d'accord avec Zied pour que ça puisse être un débat courtois et posé. Et d'ailleurs, il avait commencé à dire que mes propos étaient minables. Je lui ai dit, attends, tu commences pas, s'il te plaît, à sortir des choses comme ça, parce que sinon, tu vas faire ton débat tout seul. Soit on discute, c'est argument contre argument, avec quand même un peu d'honnêteté, quand même, parce que on peut reprocher énormément de choses à Pierre Hillard. On peut éventuellement ne pas aimer son travail, pourquoi pas. Mais encore faut-il connaître son travail, encore faut-il avoir lu ses livres, l'avoir suivi, connaître un petit peu ses travaux. Si on ne connaît pas les travaux de l'homme, qui est quand même un universitaire de très grande qualité, je suis désolé, comment voulez... Enfin, c'est pas possible de discuter avec un individu qui commence déjà à insulter quelqu'un qui est le plus grand spécialiste du mondialisme français. Walter Bujna le réduit à quoi? À une portion congrue. J'ai trouvé que c'était incroyable. C'est que c'était stupéfiant. Je me suis dit, on peut rien faire. On va avoir un problème de débat. J'avais tout de suite compris. Donc, j'ai sacrifié la reine au profit, comme je dis, de l'après direct. Parce qu'au moins, je sais que derrière, si c'est écouté par les BTA, les Tristan Mendes France et compagnie, on verra que l'énergumène le plus excité, c'était pas moi, c'était lui. Et c'est tout. Il n'y avait pas besoin de plus. C'était, Maxwell, inutile d'en rajouter. On tient même à préciser que, après, ce sont ses propos à lui. Hein. Et je trouve ça vraiment. Je trouve ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Parce que c'est là. Ça doit être la troisième fois que ça arrive sur la chaîne où on reçoit des gens qui sont issus de la communauté juive et qui traitent certains juifs de sales juifs. Et c'est nous qui avons été épinglés par on sait qui, qui avons été épinglés par je ne sais qui, enfin par vous savez qui, on va pas leur faire de pub, pour être des antisémites. Mais c'est incroyable. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le Rav Dinovitz, je crois Jacob Cohen, Et Walter Bujna hier, qui eux-mêmes ont insulté des juifs qui ne leur ressemblent pas comme étant des sales juifs. Alors que jamais de la vie ici, ça n'arrivera. Ni un juif, ni un musulman, ni un chrétien, ni qui que ce soit se fera insulter ici sur cette chaîne venant de nous. Qui sont les vrais antisémites? Telle est la question. Je salue Malik, j'ai oublié de le saluer. Salutations. Pas de problème. Pas de problème, Maximus, comment vas-tu? Écoute, on résiste. Exactement, toujours. Merci. Merci à toi, Maximus. Tiens, Malik, justement, pour ceux qui ne connaissent pas Malik, les nouveaux abonnés de la chaîne qui sont abonnés depuis mardi, hein, et grâce au partage de Goût Divergent, que je salue encore une fois, que je remercie. Faut savoir une chose, c'est que dans chaque équipe, il y a une arme qui est dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on envoie toujours la chair à canon devant. Après, on envoie les téméraires. Ensuite, on envoie les sidaïques. Après, on envoie les cancéreux. Et après, on ramène l'artillerie lourde. Les gars, les amis, je vais vous sortir l'artillerie lourde. L'artillerie lourde de RPTV, les gars, c'est Malik. Pour ceux qui ne connaissent pas, Malik, enlève les chaînes, enlève la muselière, frérot, c'est bon, t'es opérationnel, là. Malik, c'est mon pit. Voilà.
Ah ouais, les gars. Là, Ziyed. Pour la présentation. C'est mon pit, les gars. Quand je sors mon pit, quand ça t'attrape, mon ami, c'est 4 tonnes de pression sur le bras. Après, ça dépend lequel. Hein. Si c'est un pit français, allez. Ouais, quand c'est croisé staff, c'est à peu près 2-5 tonnes. Et quand c'est un staff pur américain, celui-là, il t'arrache la tronche. C'est, mieux vaut se faire frapper par Mike Tyson que se faire mordre par un pit. Malik, moi, je voudrais que tu reviennes sur les éléments liés justement à la Palestine. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Liés à la Palestine et certains propos sur l'islam. En fait, moi, il faut savoir une chose. Encore une fois, avant que Malik, tu prennes la parole. Moi, j'ai animé le débat. J'étais pas avec mon équipe, c'est-à-dire comme ce soir, où je peux prendre la parole, des fois me prononcer sur certains trucs ou quoi, parce qu'on est entre nous. Mais hier, j'ai animé un débat entre deux personnes qui ne sont pas, on va dire, mes chroniqueurs, qui sont deux personnes qui sont extérieures à Radio Principe TV, Walter Bougenat d'un côté et Maximus, même si Maximus, je le connais depuis maintenant 2 ans, qui est déjà intervenu sur la chaîne, etc. Et j'ai dû me positionner, moi, en tant qu'animateur du débat. Je peux pas prendre position pendant. Voilà. Faut savoir un truc, et c'est que je suis encore en train d'apprendre. Il y aura peut-être d'autres débats, on va en faire d'autres. Habituez-vous à ce que quand je fais des débats de ce type-là, où ce ne sont pas mes chroniqueurs qui sont impliqués, je ne prendrai pas position. Voilà, c'est tout. Parce que beaucoup m'ont dit pourquoi Malik il est pas là. Déjà, c'était un tête-à-tête Manu. Tête-à-tête Manu, c'est le concept d'émission. C'est moi qui suis avec un ou des invités que je présente et qui nous présente quelque chose, un livre, quelque chose comme ça et tout. Et là, en l'occurrence, c'était un débat. Et c'est un débat entre Walter Bougenat et Maximus. Il n'y avait pas écrit Malik. En fait, ça aurait pu être un débat si l'autre en face était honnête. Mais comme il n'a pas été honnête, il n'y avait pas débat, en fait. Il a tué le débat, c'est tout. Moi, je précise vraiment ça par rapport aux gens, parce que beaucoup m'ont, même en off, hein, c'est-à-dire pourquoi Malik n'était pas là, etc. Malik, comme Kendra, comme les autres qui ont l'habitude d'être là, c'était un débat où je me devais d'observer de la neutralité et laisser les gens. Et peut-être qu'un jour, il y aura un débat entre Malik et quelqu'un qui veut débattre avec lui. Et j'animerai aussi le chat, j'animerai aussi cette émission. Je ne prendrai pas position. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà. Malik, frérot, on t'écoute. Oui. Bismillah, au nom de Dieu, et que la bénédiction soit sur toi, mon frère, pour la présentation. Donc, on rectifie le tir. Hein. Je préfère être de la catégorie félin, tigre, voilà. Lion. Ouais, mais toi, mais un tigre, un lion, frérot, c'est loin. Un pit, tu peux en avoir un à côté. Voilà. Ah, c'est comme ça, Zier. Alors, donc, voilà, et on a cette fraternité-là, cette complicité qui nous permet de s'entendre, de se respecter, de se comprendre. Et quand on dit une chose, qu'elle soit entendue. Donc, je salue également Kentra, je te renvoie ta salutation tout à l'heure, quand tu m'as accueilli chaleureusement, et Maximus, que j'ai déjà salué également. Donc, hier, ce qui était assez drôle de la part de Walter, qui est une personne très sympathique au demeurant, et qui est assez curieuse, qui aime apprendre, du moins quand cette personne-là a quelqu'un en face de lui qui lui donne du contenu. Quand bien même hier il n'était pas content de ce que tu lui disais, Maximus, on voyait qu'il lui manquait des éléments et que malheureusement il se contredisait lui-même, parce que quand il parle de franc-maçonnerie, faut-il rappeler encore une fois que le culte maçonnique, que le rite maçonnique est basé sur l'héritage juif. Exactement. Mais ça, j'ai pas voulu l'amener, ça, parce que ça nous aurait encore rentré dans une polémique, dans la polémique et dans la polémique, dans la polémique. C'est ça. Et la réalité ici, c'est qui sont les vrais antisémites et qui sont les vrais plutôt anti-jafétites, puisque historiquement, si on se réfère à Flavius Joseph qui a interprété, qui a fait l'exégèse de Genèse 10, eh bien, à ce moment-là, ce dernier, il a clairement, montré qui est le véritable anti ces gens-là, anti les autres, anti ceux-là, anti ceux que Tristan Mendès France considère comme étant les intouchables et que l'on ne peut critiquer à aucun moment. La réalité est que ce même individu, donc Walter, hein, que je salue et que je respecte, a dit hier, exactement, a tenu le même discours que ce qu'il
que ceux qu'ils, donc CEUX, considèrent comme étant des haineux. Sauf que c'était contre l'islam. Contre l'islam, on a le droit. Parce que l'islam, finalement, c'est pas si dangereux que ça, contrairement à ce qu'on aimerait croire, ce dont on fantasme concernant l'islam. Il y a plus un apport civilisationnel, tout comme le christianisme, à l'humanité, plutôt que une menace pour les cultures. Une menace, on voit bien avec Constantin Ier. Constantin Ier, c'est quelqu'un qui a vite compris ce qu'était le christianisme et qui a adopté les enseignements des pères de l'Église et donc des premiers siècles du christianisme. Donc c'est quelqu'un qui est issu d'une culture qui n'a rien à voir avec les fils d'Israël, avec la maison d'Israël, qui était le koumen, c'est-à-dire le foyer auquel a été envoyé, le foyer de population auquel a été envoyé Jésus, pour qui la mission était effective. Et pourtant, voilà. Donc, on n'est pas dans quelque chose, au contraire, qui est une chasse gardée, spirituelle, religieuse ou, encore une fois, politique. Donc, hier, Walter, c'est dommage parce que, bon, bah, il a pas été patient. Et c'était un CSC, comme on dit, un contre son camp. Ça ne lui a pas du tout profité, bien au contraire. Le fait est que ce dernier a quand même égrené les erreurs, et ce n'est même pas des erreurs, les affirmations anti-historiques. Quand à un moment, il te glisse gentiment le fameux « Oui, mais ça s'appelait pas Palestine. » Et tu lui as même répondu à un moment « Les Philistins. » Mais bon, il a parlé plus fort et de ce fait, comme tu l'as très bien dit, celui qui gagne le débat, celui qui gagne, débat s'il y a eu, mais celui qui gagne l'échange, celui qui l'emporte, c'est celui qui reste calme et maître de soi. Et tandis que l'autre, qui va, voilà, sortir de ses gonds, qui va monter sur ses grands chevaux, quel qu'il soit, et il se peut qu'un jour je me retrouve dans cette situation, si je le fais, ben j'aurais perdu à ce moment-là. On ne doit pas, à cause de l'émotion, c'est pour ça que j'ai toujours ce souci de crucifier l'émotivisme, non pas celui de l'art, non pas celui de l'intellectualisme, mais de l'intellect, pardon, qui s'oppose à l'intellectualisme justement, mais l'émotivisme au sens de le trop-plein d'émotions, le trop-plein d'émotions, et je m'en fous de l'autre. Et à partir du moment où tu parles à la première personne, tu as perdu. C'est comme si on prend l'exemple de quelqu'un qu'on connaît tous ici, Alain Soral. Alain Soral est pertinent. À partir du moment où il dit je, c'est fini. Donc tout le monde est pareil. Et c'est exactement ce qu'a fait hier Boujna. Boujna, c'est je viens, je parle avec vous, je veux comprendre. Et puis il y a des quiproquis, pluriel, quand même historiques, légendaires. À partir de quand avons-nous dit que nous sommes d'accord sur le fait que le sionisme est un nationalisme et de ce fait n'est pas une branche du mondialisme? Mais bien sûr que c'est une branche du mondialisme. C'est un nationalisme, certes, qui s'est basé sur l'idéologie du village-monde. Parce que le révisionnisme sioniste, qu'on appelle aussi le sionisme révisionniste, qui a pullulé dans l'entre-deux-guerres, qui avait pignon sur rue dans toutes les capitales européennes, notamment Paris, et qui s'est permis de considérer l'histoire à sa sauce, donc les accusations de révisionnisme et de négationnisme, à la base, c'est issu au XIXe siècle du mouvement sioniste. Quand on se dit, bon, le texte saint nous interdit de revenir sur la terre, mais on va quand même y aller. Une terre qu'Hérodote désignait déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ comme Palestine. Pline l'Ancien dira ça aussi. Les grands auteurs romains, il y aura aussi Cassius qui était un responsable, un dirigeant, un dignitaire romain qui le dira, qui l'écrira, la Palestine, les musulmans sous les Omeyyades et sous les Abbassides appelaient déjà cette région administrative, Jund Philistrine, même en arabe, c'est-à-dire l'armée, ou plutôt la garnison, voilà, la garnison de Palestine, au sens d'un homme intégré dans le grand califat. Donc c'est sous les Ottomans où il y a eu une poussée, et là, beaucoup de gens, quand ils pensent à grand remplacement, ne pensent qu'au remplacement des dits
soi-disant, voilà, emplacement des musulmans qui effectivement se reproduisent beaucoup, l'impression de parler d'animaux, qui font beaucoup d'enfants et qui, contrairement à des gens qui ne pourront jamais avoir d'enfants naturellement, je dis bien naturellement, comme Camus, se basent sur des auteurs juifs, comme Betty Orr, la Britannique juive d'origine égyptienne, qui a conceptualisé la dhimmitude, le concept de dhimmitude qui se base sur la dhimma, la protection. Donc, tu payes une capitation qui est un petit impôt, une pièce ou de deux pièces en fonction de tes moyens, et même si tu n'as pas, au moins, tu, en tant que individu faisant partie des gens du livre, donc de ceux qui croient en un livre, c'est-à-dire la révélation qui a pour origine, qui a pour racine la personne d'Ibrahim, Abraham, qu'on a en commun justement les Juifs et les Chrétiens, et les Sabéens et tous ceux qui s'apparentent, donc les Baptistes, etc., dans la religiosité. Elle, cette Betty Orr, qui oublie que le véritable grand remplacement, j'y arrive justement en Palestine, à Tibériade. Tibériade, c'est quand même la capitale du Jeune Philistine, justement, de la Nome, de la région administrative, du Nome, pardon, du Nome, qui s'appelait déjà Palestine sous le califat musulman, sous le vicariat musulman, donc sous le califat. Les Ottomans, Soliman II notamment, ont permis, Soliman Ier, pardon, Soliman le Magnifique et Mehmed II. Si je dis pas de bêtises, c'est Mehmed. Non, c'est pas Mehmed. En tout cas, il y a Soliman dedans, qui ont soutenu le couple Gracia, qui étaient des Juifs qui partent du Portugal, pour repeupler la Palestine, qu'ils n'appelaient d'ailleurs plus comme ça à ce moment-là de l'histoire, c'est vrai, et on se demande pourquoi. Les soutiens de grands remplaçants juifs européens en Palestine, donc à partir du XVIe siècle, 1536 et des poussières, vont repeupler la terre qu'ils avaient quittée, dont ils avaient été chassés, mais depuis l'Antiquité en réalité. Et sous le califat, par exemple, de Omar ibn al-Khattab, donc Omar le premier, eh bien, deuxième calife, mais le premier, puisqu'il y aura Omar ibn Abdelaziz, qu'on appellera Omar II, lui a protégé les minorités juives présentes en Terre Sainte. Terre Sainte, terre trois fois sainte, rappelons-le. Donc, lorsque Boujna nous dit qu'il n'y a pas de Palestine, lorsque Boujna nous dit qu'il y a un antisémitisme chronique, lorsque Boujna nous dit que ça fait 40 ans qu'il n'y a aucune décision qui va dans le sens d'Israël, excusez-moi, tous les think tanks, tous les laboratoires d'idées qui travaillent, l'AJC, l'ADL, donc Anti-Defamation League, American Jewish Committee, l'AIPAC, le CRIF en France, etc., qui travaillent d'arrache-pied pour construire et alimenter un discours qu'on appelle complotiste en réalité, où il y a du confusionnisme. La réalité, c'est que l'État profond, the shadow government, comme on dit aux États-Unis, le gouvernement ombrageux ou de l'ombre, eh bien, est piloté par les ténors de la pensée néoconservatrice qui te dit, c'est les États-Unis et Israël et rien d'autre. Mais là où certains vont se tromper, vont trébucher, c'est de dire que ces gens-là sont en soi juifs. Non, ils se revendiquent juifs, effectivement. Mais comme Jean le dit dans l'Apocalypse, ce sont des juifs qui ne sont pas juifs, ils sont la synagogue de Satan. Donc cela concernait les églises de Smyrne et de Philadelphie. Comme j'aime bien le dire pour plaisanter, on ne parle pas des États-Unis. Donc. Ouais. Être un signe West Coast, tu vois. Donc voilà, des juifs qui ne sont pas juifs. Moi, depuis 2020, j'ai développé le concept du judéo-identitarisme. Comme il y a l'islamo-identitarisme, j'ai même écrit un article sur ça qui a été cité sur BTA. Coucou les gens, coucou les amis de BTA, qui ont dit justement, regardez, ils parlent de criminalité communautaire, bien sûr, tout comme Boujna hier peut le dire concernant les musulmans. Et regardez, ce sont les musulmans. Et toute sympathie qu'il est, ce qu'il a dit au niveau de l'histoire, ce qu'il a dit au niveau de la réelle politique, c'est quand même puéril. C'est quand même extrêmement puéril. Comment on peut nous dire que non, ce n'est pas le sionisme, ce n'est pas le judaïsme politique, c'est le communisme, comme Jean Robin le dit. Mais qui
derrière le communisme. Karl Marx lui-même parlait de la question juive en tant que juif, donc il avait le droit. Hier, Boujna insulte les juifs en disant « j'ai le droit ». Donc, vous êtes en train d'alimenter un discours en disant ça, messieurs les judéo-identitaires, qui ne va que dans ce sens-là, qui ne va que dans le sens de ce que l'on dit. Il y a une gauche, il y a une droite qui s'opposent. Il y a Bernard-Henri Lévy à gauche, il y a Éric Zemmour à droite, qui s'opposent et qui rongent les nations. Donc, en l'occurrence, la nation française et le reste du monde. Par contre, ces mêmes individus-là, qui vont se défendre de cela, qui vont dire non, ce n'est pas vrai, nous le respectons la souveraineté des États, etc., vont même, donc, un Zemmour qui va dire à Attali, non, tu parles des nations comme étant des aéroports, etc. De l'autre côté, ces individus vont se permettre de tenir le même discours concernant l'islam. Et ils ont le droit. Et d'insulter leurs congénères juifs en disant, nous sommes juifs, donc on a le droit. Donc attendez, là, si ce n'est pas de la tyrannie, si ce n'est pas du despotisme, si ce n'est pas du révisionnisme, c'est quoi? Il faut être un peu sérieux. Et malheureusement, hier, moi, j'étais déçu. Bah, je m'attendais pas à Walter à ça de la part de Walter. Quand je dis je suis déçu, je connais son discours, mais première émission, il vient et il discute avec nous. C'était un autre son de cloche. Et hier, parce que il vient en mode comment dire offensif, il a le droit de dire j'en ai rien à faire de Ben Gourion, qui est quand même celui qui a déclaré l'indépendance, qui a lu la déclaration d'indépendance d'Israël en 48, qui faisait partie de quoi? L'association capitaliste, l'association communiste, l'association maçonnique, non, l'association juive internationale. Donc, il faut arrêter de. Et puis, attendez, en 48, les Israéliens sortaient des camps, n'avaient pas de chars. Mais quelle incroyable cette lecture de l'histoire. C'était des juifs et d'autres qui ne l'étaient pas, qui n'avaient pas goûté à la souffrance des camps, qui étaient dans les chars et qui tapaient les Palestiniens, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou juifs, qui n'étaient pas d'accord avec eux. Puisque, comme on l'a entendu hier, à partir du moment où tu es juif, selon certains, tu peux te permettre d'écraser même tes congénères. Donc, il faut revenir sur Terre, il faut redescendre, il faut pas oublier que ça a été tourné chez... Bon, ça c'est un peu d'humour. Ça a été tourné chez Bénichou, les premiers pas sur la Lune. il faut pas, voilà, il faut être dans le respect de l'interlocuteur. Quand tu viens, voilà, Walter, encore une fois, il n'y a aucune haine de la part de personne ici. Mais quand tu nous dis que tu as le droit, toi, de dire qu'un tel est sale, alors que je vais te citer quelqu'un qui est considéré comme étant l'un des plus grands antisémites de l'histoire, enfin de notre temps, qui est Louis Farrakhan aux États-Unis, qui dit, ne dites pas sale. Ne rajoutez pas l'adjectif sale après blanc ou noir, car les deux ont assez été salis. Le juif n'a-t-il pas assez été sali, Walter, pour qu'on puisse dire, Check punchline incroyable. pour qu'on Ah, elle est puisse dire, violente celle-là. ah, très violent, pour qu'on puisse dire sale à un juif, faut arrêter. Ça me rappelle, tu sais, je m'adresse à toi, Walter, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle la série. Je vous conseille de la regarder. C'est une série dans laquelle joue Al Pacino, en plus toujours très bon à 86 piges, où il joue le rôle d'un juif qui organise la chasse aux nazis aux États-Unis. Eh ben, ce sont des juifs d'héritage, mais qui disent quasiment tous, on ne croit pas en Dieu ou on fait semblant de prier pour que la communauté nous reconnaisse. Et ce qui nous importe, c'est de venger notre sang. Donc, c'est du tribalisme. Ce n'est pas une attache religieuse, comme l'a dit hier, hein, Boujna, il n'en a rien à faire de la religion. Et donc, ce sont des gens qui s'opposent à Dieu, essentiellement, en disant Dieu, voilà, s'il y a un paradis, s'il y a un enfer, s'il y a un Dieu, pourquoi il y a eu la Shoah, etc. Et qui, en même temps, pensent, et in fine n'y arrivent pas, pouvoir, avec honneur, donc pouvoir honorer leurs ancêtres. Si vraiment ces gens-là se revendiquent de quelqu'un d'aussi noble que David, Daoud, le prophète, le patriarche, le roi guerrier David, qui a vaincu pour le coup les Philistins, s'ils se revendiquent de lui, je pense pas qu'il, je pense qu'il y a une mauvaise, encore une fois, lecture de l'histoire de la part de ces gens. Si, tantinet, s'ils lisent un petit peu l'histoire, voilà. Donc, il faut leur rappeler la Palestine. Certes, le royaume d'Israël, c'était avant la Palestine, mais après la chute, après la mauvaise gestion du fils de Salomon, la chute d'Israël,
Ça a été repris par les Philistins et autres peuplades locales. Palestine vient de Philistins, qui était effectivement avant les Hébreux, qui occupaient la terre. Et les Hébreux, suivant la révélation divine, suivant l'inspiration divine, sont partis reconquérir celle-ci. Donc il ne faut pas inverser la donne. Et le grand remplacement des musulmans, parce que c'est ça qu'il nous disait hier, Walter, eh bien, excusez-moi, encore une fois, Gracia, Madame Gracia et son mari, et le soutien ottoman pour le repeuplement de la Palestine, pour le repeuplement de la ville de Tibériade en particulier, à partir du XVIe siècle, c'est là où justement on peut dire que tout a commencé. Donc c'est bien drôle de la part de ces gens-là qui avancent avec des œillères et tentent de cacher l'histoire avec une passoire. Voilà. Merci à toi Malik pour cet exposé, c'était très très intéressant. Merci à toi frérot. Il nous reste allez, 5 petites minutes. On a avec nous France la Suisse. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment Bonsoir au chat. allez-vous? Bah, tu vas me dire tu, hein, sinon ça va encore me vieillir de 10 ans de plus. Ah, comment vas-tu? Eh ben, merci de m'avoir laissé monter. Pas de problème. Bah, comme tout le monde, hein, on fait le mieux pour le mieux avec ce qu'on a de mieux. Exactement. Ouais. Bah du coup, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, du débat de mardi? Eh ben, c'est pour ça que je suis montée, parce qu'il y a une chose pareille que Walter m'a beaucoup déçu. Et là, il s'est grillé. C'est que j'ai trouvé assez arrogant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il a dit, oui, de toute façon, en parlant du peuple en général, oui, les gens, de toute façon, ils font que des amalgames, on est trop cons pour comprendre. Alors, j'espère qu'il va écouter, parce que moi, je vais vous dire quelque chose. Après les histoires de Charlie, des trucs comme ça, ben moi, au début, j'étais aussi trop conne pour comprendre. Jusqu'à la supercherie Covid et avec tout ce qui s'est passé, et que j'ai commencé à plus m'intéresser à la politique, parce qu'avant, j'étais en Suisse et j'en avais rien à faire, j'ai compris beaucoup de choses. Et tu as passé, je crois, hier, les deux rabbins, là, qui parlent de haine, là, en disant. Ouais, c'était un seul, c'était le Rav Twitou. Voilà, oui. Et cela, bon, c'est vrai que j'ai découvert 2, 3 vidéos chez des gens comme ça qui devraient être en prison. Et donc, quand parce que j'ai marqué tout à l'heure dans les commentaires, et pour moi, de toute façon, il faut arrêter de dire des juifs, parce que c'est même pas des. Pour moi, ils sont presque tous pas juifs. Parce que même si il y a des choses que je suis pas à 100% d'accord avec la religion musulmane, ou à la base avec le catholicisme, hein. Même s'il y a des choses qu'on n'est pas toujours trop d'accord avec l'application gouvernementale, ou disons plutôt l'application politique des religions, une chose est sûre, c'est que à la base, dans toutes les religions, on doit aimer son prochain. Et même si nous, en tant que chrétiens, on a eu un Jésus-Christ qui nous a raconté des choses supplémentaires, eh ben malgré tout, tous les juifs, ils devraient au moins respecter correctement les 10 commandements. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je dis tous que ce sont des faux juifs, hein, ceux qui sont en haut de la pyramide. Je ne rentre pas dans les détails, tout le monde m'a compris. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus rien à voir avec de la religion, puisque pour en arriver à de l'eugénisme ou du matthieuanisme, il n'y a rien de l'amour et du respect de religion quelconque. Quand on voit le rabbin, là, il y en a un deuxième où il y en avait un petit jeune, là, pareil, qui parlait parfaitement français. Alors, je ne sais pas s'ils sont en Israël ou ici en France. Ça, c'est des gens qui devraient être enfermés pour racisme. Je suis Et d'accord. une chose que je suis tombée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était assez intéressant aussi pour qu'on puisse excuser quelque part, bah, le peuple juif. C'était sur une ancienne émission d'Arte, je ne pourrais pas vous dire à combien de temps elle remonte, où ils montraient des voyages scolaires
avec ben, genre lycéens hein, ou jeunes étudiants juifs, et on les emmenait en Allemagne, dans les faux crématoires. Et heureusement, une certaine jeunesse en Israël, ils disent, on en a marre de ces conneries. Parce qu'ils avaient montré aussi, bah, c'était des gens qui étaient en France, où c'est avec des espèces de réunions entre juifs et tout ça. Et les jeunes, ils disent, ils en ont marre, parce que c'est justement une façon de les manipuler par la peur aussi. Parce qu'il y avait des jeunes qui ont quand même bien dit, mais oui, mais ça s'est passé il y a 50 ans. Le monde, il a changé depuis. Alors même, il y avait des jeunes qui se révoltaient contre la propagande de leur propre religion. Et en plus, ils avaient montré dans ce reportage justement des réunions comme ça, aux États-Unis ou en France, où justement les anciennes générations, alors que les bonnes femmes, elles se baladent avec des manteaux de fourrure et des bijoux à tous les doigts, et qui vous parlent comme si c'est elles qui avaient été dans les prisons à l'époque, alors que c'est pas vrai du tout, quoi. Donc, il y a une manipulation qui a été faite aussi je dirais, par le politico-religieux d'Israël. Et puis, bon, là, ce qui se passe avec la Palestine, comme je le disais, s'il y avait vraiment un minimum de respect de la religion, ben, si les Palestiniens pouvaient vivre aussi bien que les Juifs en Israël, il n'y aurait pas ces problèmes depuis des années. Et puis, c'est vrai que le catholicisme, c'est pour ça que j'en ai parlé. Hein, ils ont fait vous vous rappelez aussi, ils ont fait la chasse aux hérétiques à un moment Alors, donné. et même pour préciser, enfin pour amener un propos d'actualité, je crois qu'il y a des députés de l'extrême droite, ou je crois que c'est des députés qui se disent orthodoxes, enfin judéo-orthodoxes, qui ont déposé une proposition de loi qui interdit de parler de Jésus, la paix soit sur lui, en Israël. Je l'ai vu tout à l'heure, hein, c'est une vraie info. Absolument, je suis confiant. Oui, j'ai vu ça il y a 4-5 jours. Voilà. Donc quand on vient nous dire qu'Israël est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, MDR, quoi. Voilà. Excuse-moi, Zia, justement, si je peux me permettre, France, de vous couper Vas-y, Malik. dans votre élan, il y a justement Bezalel Smotrich, qui est le ministre des Finances, qui a été invité par le Bétard, j'avais fait une intervention dessus, et qui tenait le même discours. Attention, Walter, attention à ne pas parler comme un judéo-nazi, parce que le judéo-nazisme, c'est une notion qui existe. Je vous renvoie à des auteurs israéliens qui l'ont développé. Et c'est connu de tous. Donc, il n'y a pas ici comment dire, de parjure, d'association de deux choses qui sont, non, c'est vraiment, ce sont les auteurs israéliens, entre autres, qui le disent. Ce judéo-nazi qui se permet de dire que la Palestine n'a jamais existé et qu'il n'y a pas de Palestiniens, il n'y a pas de pièces de monnaie palestinienne. Encore une fois, tout ça, c'est faux. Bien sûr, il n'y a pas de culture palestinienne, mais les vrais Palestiniens, ce sont moi et mes ancêtres. Donc, attention, Walter et tous les autres, à ne pas tenir le même type de discours, à moins que vous possédiez une immunité vous permettant de le faire quand même. Donc, la réalité est là, c'est que, influencé par son ministre des Finances aujourd'hui, qui est un proche de Netanyahou et qui est connu pour ses frasques, d'ailleurs même anti-LGBT, pour ceux qui prennent à bras le corps cette cause parmi vous, rappelez-vous encore une fois que de tenir de tels propos, si ça avait été à l'inverse, si un musulman s'était levé et avait dit 2% de ce qu'a dit hier Walter, il y aurait déjà eu flopé d'articles. On ne parle pas de BTA, des misérables de BTA, on parle d'articles de qualité quand même. On aurait eu, entre guillemets, on aurait eu le CRIF, on aurait eu tout le monde qui serait monté au créneau. Je ne vois pas le CCIF ou le CCIE, je ne vois pas le CRI, je ne vois pas
Parce qu'il y a le cri sans le F côté musulman. Je ne vois pas la mosquée de Paris, la mosquée de Lyon, la mosquée de Courcouronnes. Je ne vois pas, je ne vois personne en fait. Le CFCM qui va s'insurger ou qui va s'infiltrer ou qui va, sans mauvais jeu de mots, ou qui va s'ingérer dans ce genre d'histoire. Alors que là, encore une fois, quand c'est le musulman, on a le droit de le dire, en jouant la carte bien sûr du. On peut pas parler parce que c'est les musulmans. Mais comment ça, on ne peut pas parler parce que c'est les musulmans? Encore une fois, le journaliste, rappelle-moi son nom, Ziad, celui qui avait révélé que BFM, révélé, qui avait appuyé que BFM travaillait directement avec Israël. Rachid Embarki. Voilà, il a même été auditionné pour ça à l'Assemblée nationale, je crois. Ouais, c'est ça, exact. Et donc voilà, hein, grande pompe sur LCP. Et c'est un arabe, c'est un musulman, il dit ça y est, fin de l'histoire. Alors que c'est pourtant une réalité. C'est une réalité. Il y a plusieurs organes de presse qui sont directement liés au renseignement israélien et qui dictent les informations aux grands médias français. Donc, qui vraiment remplace qui influence qui et qui, encore une fois, même si on le sait bien, qui encore une fois fait passer les musulmans pour ce qu'ils ne sont pas. Le mouvement là, quand on parle de la marche contre l'islamophobie, qui était vraiment une Une marche ridicule, mascarade. une mascarade. Je fais un takbir, donc une glorification, une exaltation de Dieu, mais c'est culturel, c'est pas religieux, Marwan Mohamed. Donc vous êtes en réalité, ce sont vos alliés objectifs, les frérises. D'ailleurs, après tout ça, Malik, après Oui. cet événement-là, c'est là où ils ont tous taillé à l'étranger, hein, les Boussena et Rachid Oui, Elgé, Dubaï, oui. l'autre il est parti en Suisse, l'autre il a ceci. C'est Hein? ça. Ils Ah sont ouais, tous c'est à ça. Dubaï De où on Baltringue sait que vous êtes. Bah. exactement, Et où on sait si je peux, tout. si je peux me permettre de Et je rajouter finis juste quelque sur sa chose. France. Alors, Excuse-moi. deux petites secondes, France, et après, de toute façon, on va conclure. On laisse Malik finir. Je vous laisserai terminer, France, et après, on va conclure de notre côté aussi. Et donc voilà, on est en présence d'individus qui sont des pontes de la cancel culture, qui mettent en avant, alors encore une fois, si on se réfère au grand, comment dire, patron de la pornographie, de la même pédopornographie aux États-Unis, c'est des gens qui sont des amis de ceux qui tiennent l'industrie musicale, donc des Cohen, des ceci, cela. Oui, encore une fois, si vraiment c'était pas important pour eux, pourquoi n'ont-ils pas dit clairement, voilà, nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas comme cela, ou même prendre un pseudonyme. Pourquoi? Parce que la liberté, il faut s'assumer en tant que tel et ne pas se cacher. Eh bien alors, en tant que tel, quoi? Donc vous êtes quoi? Et si on dit ce que vous êtes, comme dit Lévi, s'il n'y a pas assez de quoi, c'est quoi qu'elle disait? S'il y a trop de La quoi? phrase, c'est s'il n'y a pas assez d'eux, dites-moi de quoi il y a de trop. Voilà. C'était Elisabeth Lévy, et vous savez très bien que quand on commence à aller sur ce terrain-là, on tombe sous le coup de la loi. C'est ça le problème. C'est tout le problème, il est que en fait, nous avons une épée de Damoclès au-dessus de la tête et nous ne pouvons pas parler librement. C'est ça, c'est pour ça que le débat il est déséquilibré, car Walter va plus bénéficier d'indulgence que moi dans ce débat par rapport à la loi et au contexte. Donc on va pas s'étaler sur le décret Crémieux, on va pas s'étaler sur Jabotinsky, on va pas s'étaler sur Manuel Valls et sa déclaration par ma femme, je suis éternellement lié à Israël. On va pas Son s'étaler sur tout ex-femme, ça. par Ouais, son ex-femme aujourd'hui. oui, à ce moment-là, c'était encore sa femme quand il l'a C'est dit. ça. On va pas parler des néoconservateurs, on va pas parler de la création du communisme, etc., qui avait intérêt à renverser le tsar, qui a financé Lénine. C'était monter le niveau trop haut. Donc ça ne servait strictement à rien. On pouvait pas faire de vrais débats parce que pour faire un vrai débat, il faut vraiment de l'honnêteté en face. Malheureusement, on n'avait pas les conditions pour pouvoir faire un débat serein, argument contre argument. Lui, il était plutôt dans la chicaya, il était plutôt dans la chicotte. Et moi, je voulais vraiment pas aller là-dedans. Et c'est pour ça que entre guillemets, j'ai préféré le laisser faire son truc et parler, parler, raconter tout ce qu'il avait à raconter. Ce qui, moi, m'arrange parce que qui a battu Walter Boujna, c'est Walter Boujna. Voilà, tout simplement. Bah, voilà, tout Eh simplement. ben,
Merci à toi, Maximus. Je vais prendre ça comme mot de conclusion. Malik, je te laisse terminer. On conclut, parce que je n'ai pas fait l'Aïcha encore. Je te laisse conclure. Est-ce que je peux dire rapidement encore quelque chose? Allez-y. Vas-y, France. Excusez-moi, j'ai du mal à tutoyer les... Oui, non, il n'y a pas de souci. Bon, Maximus, en tous les cas, oui, je t'écoutais sur le loup, là. Et c'est pour ça que je suis venu écouter le live. Effectivement, j'aime beaucoup ta narration. Et je vois aussi que Malik est bien renseigné. Je voudrais juste conclure par une chose, c'est que ce qui m'a manqué aussi, c'est que sans rentrer dans trop de détails, on sait que la vaccination mondiale n'a pas fait que du bien. Et quand on voit un burla qui est un vétérinaire, comme par hasard, juif grec. Et spécialiste de la stérilisation des moutons. Et en plus, quand on voit ce qu'il a fait à ses propres frères et sœurs, eh ben, j'ai de plus en plus de doutes au niveau de la sincérité de cette religion. Et par contre, Alors, on ne va pas généraliser sur la religion en elle-même. On a reçu le rabbin Gabriel Agaï, que je salue du plus profond de mon cœur, à qui j'ai proposé quelque chose, on en pour parler. On ne va pas généraliser sur la religion. Restons sur, on va dire, les individus qui se prétendent venir de cette religion avec de fausses interprétations et une fausse apparence justement de religieux, alors qu'en réalité, c'est... T'as raison. En tous les cas, la seule chose que... Et ça sera mon mot de la fin. Très bien. C'est que les vidéos de haine de ces rabbins-là, quand ils disaient que les musulmans seraient leur balai, ben moi, je crois que il y a peut-être, je crois que les musulmans, parlent tout du moins de France, je crois qu'ils seront aux côtés de ce qu'on appelle misérablement les gens de souche, hein, on s'en fout parce que de toute façon tout le monde a des papiers français, et je crois qu'on sera plus ensemble pour remettre à leur place des gens comme ça que l'inverse. Voilà. Des gens comme ça, comme d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens qui s'assimilent à ceux-ci, enfin ceux-là plutôt, il y en a d'autres. Hein. Il y a énormément de gens de la communauté musulmane qui sont aussi de vrais traîtres qu'il va falloir s'occuper. Hein, c'est une des luttes principales qu'on a avec Malik ici sur la chaîne, hein, en tant que franco-musulman, débusquer, débunker tous ces traîtres-là, les Chagroumi, les comment est-ce qu'ils s'appellent là, les Tarek Oubrou, tous ces chiens soumis-là, soumis à ce système. Et c'est de notre devoir aussi. Donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens du quotidien aussi avec qui on ne pourra pas faire l'affaire, tout simplement. Merci, France. Merci France. Pour votre accueil. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci France aussi. Ouais, merci France. Du coup, Malik, je te laisse conclure rapidement. Oui. Kentra et Maximus, et après, je clôturerai de mon côté. Ben, merci France pour ce que tu as dit concernant effectivement. Et puis c'est eschatologique, hein, musulmans et chrétiens établissent un pacte et vont la fleur au fusil, s'occuper intellectuellement encore une fois de ceux dont on doit s'occuper, parce qu'on précise encore une fois, je mets des encore partout, c'est la redondance, c'est volontaire, nous ne sommes pas des anti-sismiques. Nous ne sommes pas des anti-termites, ainsi que les termites. Hein, voilà. Donc nous sommes anti-termites, non pas antisémites. Et là, c'est encore une fois ceux qui dérangent, ceux qui mangent, ceux qui rongent les nations doivent être mis au banc. Et encore une fois, de manière éthique et intellectuelle, et non pas physique. Je crois que France, tu voulais m'adresser un mot juste avant. Tu avais dit Malik. Ben, je voulais juste vous remercier parce que quand je vois Zid ou toi, Malik. Zid. Il n'y a que quatre lettres. Faites un effort, les amis, il n'y a que quatre lettres. Des fois, je reçois des courriers. Dans mon prénom, il y a Z-I-Y-H-E-D et il y a écrit Mademoiselle. on dit comment, Zied? Zied. Non, madame, on dit Zient. Bon, je vais dire zut, comme ça sera plus simple. Oh,
Non, en tous les cas, ça me fait plaisir parce que je vois qu'il y a de plus en plus de maturité. Et même moi, je vous l'avoue, hein, j'ai jamais voté de ma vie parce que en plus j'étais à l'étranger, j'avais pas le temps, je m'en foutais. Et je vous avoue que il y a 10 ans en arrière, eh ben j'aurais été plutôt un peu conne et conservative, genre Le Pen et tout le bordel. Et j'ai compris beaucoup beaucoup de choses. Parce que tout est politique et la religion, ça doit être une ouverture sur la spiritualité et ça ne doit pas devenir une façon de contrôler les peuples avec des fanatismes meurtriers en fin de compte. Voilà. C'est ça. Alors, je vous remercie et Merci France, merci d'être passé, merci je vous pour... remercie pour ta chaîne. Il n'y a pas de souci, merci de la suivre, ça fait plaisir. Salutations France. Merci beaucoup. Maxime, Kentra qu'on n'a pas beaucoup entendu, bah, du coup, si tu peux nous donner ton petit mot. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que dit avec ce que dit France. Effectivement, on s'éloigne de plus en plus de la Shoah et de toute cette époque qu'on On n'a peut pas vécu. exactement qu'on ne peut limite pas nommer. On s'en éloigne de plus en plus et on s'en tape de plus en plus en fait. Il nous la colle de plus en plus près au visage. C'est-à-dire qu'il suffit d'allumer Arte, on regarde tous les reportages sur Hitler, sur les camps, les trucs, les machins. Bah, j'ai envie de dire, qui est à la direction de la surveillance des diffusions d'Arte? Bah, c'est Bernard-Henri Lévy, donc c'est pas étonnant. Voilà, on s'éloigne de plus en plus d'une période que nous, surtout mon époque à moi, on n'a pas connue. Et au final, en fait, elle se rapproche de plus en plus de notre tronche. Donc pour moi, c'est du foutage de gueule. On parle pas des autres génocides. C'est comme s'il y avait une volonté de vouloir placer un génocide au-dessus d'un autre. Ce qui est intolérable pour moi, personnellement. Et je réponds à Walter, hein, excusez-moi, je me permets, parce que Walter, il faut que tu fasses quand même preuve d'honnêteté intellectuelle. J'ai bien précisé s'occuper de tout ce qui gêne les nations. Si Gabriel Agaï est venu ici, c'est bien qu'il fait partie de ceux parmi les Juifs qui sont dans cette volonté de purifier l'humanité. Donc, Et même on ne parle pas Graftinovitz, d'épurer. hein. Même Oui. Graftinovitz, Et hein. quand je parle de purifier, je pèse mes mots, je ne parle pas d'épurer. On n'est pas en train de parler justement de ce vers quoi j'ai l'impression que tu aimerais nous amener, Walter. Alors qu'en réalité, non, on ne tombera pas dans cette proposition. Je précise, EJL citoyen, c'est Walter. Donc, il faut être clair sur ça. Il n'y a pas de piège tendu, il n'y a pas d'ambiguïté. Les qui sont des puissants. Les qui sont des puissants. Quelle que soit l'appartenance. Parce que si on met de côté la séquence où il y a l'ancien général qui était venu et qui a dit, mais vous savez bien, aux journalistes complètement hystériques sur la question des qui a toujours été posée, même par Balladur. C'est des questions qui ont, la question qui renvoie au COD, qui renvoie même au COI, complément d'objet indirect. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est toujours, employé, au niveau du discours. C'est une tactique discursive ou même dialectique et in fine dialectale. Donc, quand je dis l'alliance, c'est celle du plus grand nombre. Maintenant, chez les Juifs, qui sont une minorité depuis toujours, puisque c'est un attachement tribal, puisque et puis toi, Walter, ça ne devrait même pas plus t'intéresser que cela. À moins que tu sois comme ceux de la série Hunters avec Al Pacino, justement, tu dis, j'en ai rien à faire de la religion de Dieu, mais je m'attache au tribalisme, donc du judéo-identitarisme, mais sans la religiosité. Donc il faut être honnête intellectuellement et ne pas nous dire ambiguïté. Il y a zéro ambiguïté, pas du tout. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Donc il faut être clair sur ça, c'est le puissant, c'est le potentat, c'est celui qui est aux commandes que l'on vise, et ses soldats. Qu'ils soient musulmans, juifs, chrétiens, kémites, bouddhistes, tout ce que tu veux. Merci à toi, Malik, pour ces précisions. Eh bien, Kentra, je te laisse terminer. Après, on va conclure avec Maximus. Bah écoute, oui, moi j'avais juste ça à dire sur l'époque dont qu'on ne peut pas nommer, hein, qu'on ne peut pas revisionner. Voilà, écoute, moi je suis d'accord avec ce qu'a dit France, avec Malik, Maximus, c'était globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà. Merci à toi, Kentra. Je salue Walter qui est dans le chat. Hein. Je salue Walter et encore une fois, Walter, il faut comprendre nos propos. On n'appelle à rien, on dit des vérités, des réalités
des vérités historiques et des réalités qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que il y a des choses dont on ne peut pas parler et puis qui sont propres à certains. C'est-à-dire il y a des gens de la communauté juive qui peuvent se permettre de qui se déclarent eux-mêmes en tant que juifs, hein, c'est-à-dire Elisabeth Lévy, Zemmour, BHL et tout, qui viennent cracher sur les musulmans, d'accord? Et nous, on peut pas parler, on va dire, de certaines réalités, sauf que nous, on crache pas. Voilà. La différence est là. Nous, on pose des arguments, on a pas un discours de haine, on monte pas les communautés les unes contre les autres, d'accord? On appelle au rassemblement. Après, s'il y en a qui arrivent à comprendre ça, tant mieux. S'il y en a qui ne comprennent pas, tant pis. Maximus, si un mot de conclusion, parce que cette émission était principalement par rapport à. Pour conclure, je vais saluer Walter s'il est là dans le chat avec nous, mais s'il a à cœur effectivement le bien de la nation France, normalement, il ne devrait pas, si tu veux, être sioniste. Normalement, il devrait être nationaliste français. Parce que, à la base, la défense, pour moi, de la nation israélienne, c'est quand même de vouloir défendre autre chose que la France. Donc, à partir du moment où on commence à vouloir traquer les antisémites, c'est qu'on travaille pour une puissance étrangère. Donc, déjà, ça, il faut le dire. Et puis, en même temps, je pense que la question palestinienne, il faut être honnête. Il est clair que les Palestiniens ont droit aussi à une nation et à une autodétermination. Et il est hors de question qu'on leur refuse ce droit. Le seul problème, c'est que on essaie de déstabiliser tout le Moyen-Orient, mais Dieu merci, aujourd'hui, je pense qu'il y a une recomposition globale grâce à ce qui se passe en Afrique. Je vois qu'on veut condamner toutes sortes de choses, y compris, par exemple, le président ougandais qui a pris des mesures contre les lois LGBT. Par contre, quand Kémi Séba essaye de s'exprimer sur le panafricanisme, on le censure. Donc voilà, les censeurs, on sait où ils sont toujours du même camp. Par contre, je suis d'accord avec Walter, moi je ne les appelle pas forcément juifs, je les appelle synagogue de Satan. Et je suis assez d'accord avec ce terme. Donc maintenant, la question est de savoir si on fait partie du peuple et où est-ce qu'on fait partie, où est-ce qu'on défend les intérêts de l'oligarchie. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a une oligarchie, et cette oligarchie, dans cette oligarchie, beaucoup s'intitulent comme juifs ou auraient, entre guillemets, des ascendants juives, je vous mets au conditionnel, même si tous leurs auxiliaires ne le sont pas. Eux sont dans cette espèce de processus kabbalistique de redéfinir un ordre du monde et beaucoup de petites gens de toutes catégories, de toutes les cultures, évidemment, payent le prix fort et ça inclut aussi évidemment les Israéliens qui souffrent en ce moment d'ailleurs et qui sont en train de se révolter contre le gouvernement enfin de Netanyahou. Donc ça, et d'ailleurs, une chose dont on n'a pas parlé, je le rajoute, c'est qu'il y a eu un très très fort mouvement gilet jaune en Israël, et ça, on sait bien, comment dire, garder de Oui. l'exposer dans les médias mainstream. Et c'est dommage, ça aurait été très intéressant d'en parler. Merci à toi, Maximus. Le commentaire de la soirée, c'est celui de Walter. Hein. J'ai pris ma verveine et je suis en pyjama, mais sans rayures. Oh là là. Ça vient de Walter. Hein. Quelqu'un qui veut s'exprimer là. Oulala, oulala, oulala. Attention, Walter. Hein. Il y a Non, Tristan, Tristan. triste main d'Esrance n'est pas content. S'il apparaît, c'est qu'il est vraiment pas content de ce que tu viens de dire, Walter. C'est de Walter, l'humour, Tristan. bah oui. Quand je remonte sur Paris, Walter, je t'enverrai un message. On ira se boire un café comme promis. Alors, les amis, merci à vous. Merci à vous. Kentra, Malik, je vous garde en off rapidement. France, je vous laisse quitter. Hein. Vous allez sur votre petite icône en bas, vous tapez, vous envoyez supprimer, enfin cliquez sur supprimer. Et Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. À la prochaine. merci. Et n'oublie pas, Walter, que c'est pas, voilà, tous ceux qui utilisent une religion contre les autres peuples du monde, et il faut laisser tomber le sionisme. Ça fait longtemps que ça n'intéresse plus personne, puisque maintenant, il y a tout le monde qui est déjà en Israël. Donc, il faut arrêter de parler de ça. Il faut surtout arrêter de ceux qui utilisent ou qui se cachent derrière une religion pour faire le mal.
Voilà. Merci, ciao, ciao. Et je voudrais rajouter avant de quitter aussi que c'est pas, ça me semble assez important, c'est que quand j'ai parlé des accords d'extradition concernant Israël, effectivement, je rajoute que la Suisse n'en a pas, mais on sait pourquoi. Il faut encore faut-il se pencher sur le rôle profond de la Suisse sous la Seconde Guerre mondiale. Bon, on va pas s'étendre encore sur d'autres débats historiques, mais je voudrais apporter quand même une information concernant Maître Gilles William Golnadel, qui défend Grégory Shelley, qui lui ne se gêne pas pour traiter les Noirs de singes à qui il donne des cacahuètes. Et quand Grégory Shelley le dit, bien sûr, Grégory Shelley s'est réfugié en Israël, eh bien il dit, j'ai le droit de le dire parce que je suis juif. C'est lui qui le dit. Alors, moi je veux bien, mais un tel niveau d'arrogance, je ne sais pas pourquoi, quand les gens sont des criminels et que bizarrement ils s'intitulent juifs, le Clément n'est pas. Enfin, le traitement n'est pas le même pour eux. Il y a deux poids, malheureusement, et deux mesures. Et proxénète. Malheureusement, on le déplore. Je suis désolé. Il y a une réécriture de l'histoire et la destruction, effectivement, comme le disait très justement Malik, la destruction des nations est engagée. Et j'aimerais bien maintenant savoir au profit de qui. Qui va tirer son épingle du jeu de l'abaissement et de la destruction des nations, puisque c'est un processus qui est en cours. Voilà, c'est tout. C'est une question que je pose. Moi, je connais la réponse, mais si on est honnête, normalement, on est obligé quand même de regarder un petit peu du côté du Moyen-Orient. Un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Et je dis ça avec amitié, bien sûr. Mais sans ni... Et dire cela, ce n'est pas inciter à la haine. Comment dire, il y a la colère et la violence, bien sûr. Parce que nous parlons en vérité, et comme je le dis, on ne s'enfle pas d'orgueil, il faut parfois accepter d'être un peu plus humble et de se faire tout petit pour que la vérité éclate. Et si parfois il faut, eh bien, prendre quelques coups, moi personnellement, en tant que chrétien, j'accepte de les prendre. Ou chrétien, j'accepte de prendre quelques coups. De baisser de mettre un genou à terre par humilité, parce que je sais que ma nature est celle d'une humble créature. Mais j'aimerais que certains soient comme moi aussi et soient honnêtes comme moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci Malik d'avoir apporté des précisions. Merci Zied pour avoir organisé ce débrief. Merci à France la Suisse. Et à Kentra, avec qui j'aurai plaisir certainement peut-être à en refaire un direct. Et que Dieu vous bénisse tous. Et Merci à toi. on passe à Merci, Lou Divergent aussi qui est passé. On Et salue Lou merci, Divergent. effectivement, et on salue aussi Lou Divergent. Et Yes. voilà, nous voulons la paix et nous préférerions faire taire les armes. Et y compris, je pense, au Moyen-Orient, notamment entre le conflit entre la Palestine. Enfin, il n'y a même pas de conflit entre Palestine et Israël parce qu'il y a un dominant, il y a un dominé. Point à la ligne, tout simplement. Et je m'excuse Merci. parce que là, rapidement, très rapidement. Rapidement, 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 parce qu'il faut Très vraiment que je coupe rapidement. là. Allez, je vous Walter, quitte. j'ai 25 ans où j'habitais en Suisse. Alors, viens pas parler de la Suisse, mon grand, parce que justement, il y a une paix sociale. Alors, je suis Oui, bien non, mais d'accord. c'est pas Voilà. France, merci beaucoup, mais c'était vraiment Voilà. pas le sujet. Merci beaucoup. Il Non, n'y a pas de mais il y a une paix problème. sociale qui pourrait être aussi au Moyen-Orient, s'il voulait. Voilà, Il n'y c'est a tout, pas de excuse-moi. souci. On pourrait peut-être en reparler pour une prochaine. Merci beaucoup, France. Eh bien, quant à nous, on se retrouve sûrement demain, je ne sais pas. Mais sûrement samedi. Samedi ou au pire des cas dimanche pour votre émission Propagande musulmane où voilà, on parle de religion, etc., de spiritualité liée à l'islam. Messieurs, dames, merci à vous d'avoir assisté à ce direct. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous garde. Et encore une fois, bon mois de Ramadan à mes frères et sœurs musulmans et bon mois de Carême à nos compatriotes de confession chrétienne. Passez une bonne soirée.